Ah, c'est dégueulasse. Ah. Je préfère les tyrans quand même. Je préfère nettement les tyrans. Ils sont plus stylés. Oui, il faut insérer une clé, une carte, je l'ai. Let's go. Le corps a dû être cryogénisé alors qu'il s'abritait le parasite. Ok, cool. Il doit être un reprogramme. Bah, on peut modifier les données de la carte d'accès pour faire une nouvelle carte. Bah vas-y. Reprogrammé, vous avez obtenu la carte d'accès des charges. Ça, c'est un peu le repompage de Metal Gear Solid 1 avec avec les cartes de couleur. Une du froid, non, je déconne, non, c'est pas un repompage, mais c'est drôle. Voilà, j'aime bien comparer les jeux qui ont rien à voir. C'est quoi ça? Non. Ça sert à quoi la lunette infrarouge? Avec tous les fusibles de calibre 223, permet de voir les parasites cachés dans le corps d'un ennemi. Genre ça, ça marche? Ah. Ah. Ça monte les points faibles. Et si t'as pas de fusil, tu fais comment? Tu tires au hasard comme ça? Oh non, me dis pas qu'il est sur la gauche, enfin sur la droite. Non, il est juste là, ok ça. Loupé. Grenade incendiaire, c'est efficace aussi, ça marche. Mais si tu as pas de grenade non plus. Salut Navi, bienvenue. Navi l'a fait, non. Hey, listen. Non. Ça va, ça se passe bien. On endure le plaisir de jouer à Resident Evil 4. Merde. Ah non, ils m'ont vu. Et toi, comment ça va, Navi? Ouh.
Bon bah merde. Bonjour. Ça va? Moi ça va. Voilà. Je suis content de voir un français sur Resident Evil 4 hors speedrun. C'est parce qu'ils ont du mal à apprécier le jeu, parce que bon bah il est pas appréciable, donc ils font que du speedrun. Bon, je vais arrêter de critiquer le jeu parce que sinon je vais pas arrêter. Allez. Oh. Une herbe jaune. Ici, c'est slow run. Surtout que je m'en rappelle plus, en fait, du jeu. C'est surtout ça. Leon, help me. Ah, elle a dû passer un bon moment avec les deux, là. Arrête de me... De me rusher comme ça. Tu me fais peur. Merde, 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 merde. Yes. Ça va. Tu devrais pas rester devant comme ça, Ashley. Mais bon, t'es un peu conne. Bon là. Stay down. Ah. On continue. Oh là. Oh là. La porte elle est refermée. Et... Oh putain de merde. Enfin. Oh. Quel joueur talentueux, donc ça mérite l'abonnement. Ah, je veux bien. En tout cas, merci pour le follow. Ah putain. Un peu trop de fusils à pompe en fait. Merde. Elle s'est fait enfermer avec deux Espagnols dans la pièce. C'est vrai qu'on sait pas trop ce qui s'est passé avec Ashley. Du coup, elle va avoir un petit espagnol. Enfin, ça marche pas comme ça, mais bon. Moitié zombie, moitié espagnol. C'est pas mal.
Il faut que je change ma carte, je crois. Ah! Oh non! Ouh, t'es un peu proche. Loupé. Loupé, c'est bien. C'est horrible de faire ça à la manette. Ah, dans le dos, dans le dos, dans le dos. Ça va être un peu la merde. Voilà, c'est mieux. J'ai plus de balles, merde. Voilà. On va l'appeler Carlos. Ah, comment il s'appelait celui-là de Resident Evil 3? Carlos... C'est pas Riviera? Non, c'est pas ça. Carlos Santiago. Genre le nom de famille cliché, Santiago. Ah, tissu vivant, mais d'où proviens-tu? On s'en fout. Trop de fusils à pompe. Faudrait peut-être que je regarde la carte parce que là je suis en train de me... Je crois qu'il faudrait peut-être aider Ashley à la place. CRP. Où est-ce que je suis? What? Où est-ce qu'on est là? J'aime bien ce lance-mine, c'est tellement con le principe, mais c'est tellement cool. Ben rush. Non, ça, t'es mort. Je crois que dans Resident Evil 3, il y avait aussi le lance-mine. C'était pas mal. Au pire, on se part sans la grognasse d'Ashley, on revient avec une zombette. On lui tient les cheveux en blond et on dit qu'on n'a rien pu faire. C'est une solution, ouais, c'est une solution. J'ai l'impression de tourner en rond, là. Ah non, c'est bon, on est là. Non. C'est là-bas.
Yeah! On retrouve la chiante. Elle est où? Oh! Leon. You okay? Come on, let's get out of here. Yes! Leon! Hey, listen! Oh oh! Superman. Ah merde, non, c'est un avion. Ah, c'est pas Ada, la chiante. Vous avez peut-être déjà pensé, mais vous pourriez sortir en passant par le conduit à ordures. Tu veux pas te reculer, Ashley? Parce que bon, tu me colles, mais tu me colles un peu trop. C'est quoi? Ah. Moi aussi je peux être chiant. Ah putain, vous pouvez pas abandonner Ashley. Pourquoi? Oh merde. Ow. Laisse-toi. Oh, putain. Ok, ça l'a pas tué. Quoi? Utiliser. Ah, maintenant faut choisir sur qui. Encore plus de monde, s'il vous plaît. Encore plus de monde. J'avais pas... Il y en a pas assez. Faut la foutre dans les ordures. Ouais. Ah non. Pousse-la. Pousse-la. No way, Leon. Way. Are you out of your mind? I knew you'd be fine if you landed on your butt. You. What is this? Come on, let's go. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'ils ont quand même atterri sur... Genre, c'est pas des sacs remplis de papier, hein, c'est pas ça. Hein. C'est quand même des bouts de bois, des bouts de métaux, du plastique dur, des caisses. Donc, s'ils se sont pas pété le dos, y a un problème. C'est rien. Bouge pas. Ha. Qu'est-ce que... Ta gueule! Ça vient m'aider. Ah!
Bah, viens ici. Ashley? Wait, follow me. Ashley, elle est en train de s'accoupler? Oh la chiante. Bon, elle s'est fait accoupler. J'en sais rien quel âge elle a, Ashley. Elle est jeune, je crois qu'elle est jeune. What is that thing? What is that thing? Wait. Ah d'accord. Non, on coupe plus les jambes. Ah. Bon bah c'est fait. Ah. Oh. Hey. Yeah, bien joué. Follow me. Il est où le bidon? Il est là. Elle pourrait pas se mettre dans un coin, elle, et pas faire chier. On va lui couper les jambes. Non, l'autre côté. Oh putain. Oh, la vache. Ouh, une mine dans la tête. Qui est toujours vivant. On avance. J'espère qu'on est proche de la fin quand même.
There's a gate here. Wow, on va se calmer, non? Oh la putain. Qui doit actionner Ashley? Pourquoi tu me montres ça si je peux pas bouger? Autant. Oh non! Je veux pas réactionner le truc directement au lieu de que je te le dise à chaque fois. La chiante. Aouh. Oh mon dieu. Oh pas bon. Salut Saphir. Dans lequel El Paso. Oh la vache. On se casse. Il y a encore un machin régénérateur. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Wait. Ça se passe. C'est plus drôle que Sedna en tout cas. On a fini Sedna hein, au passage. Je sais pas ce que je suis en train de faire. Le volet est coincé. Terrible. Wait. Ah. Allez, go. Donne-moi ton or. Merci. On a fait toutes les fins de Fear Effect 7 d'un en plus. Oui, vas-y, fais ta connerie. Genre, Léon, il peut pas passer. Con, ça. Oh, mon dieu.